Et salut à tous, c'est Angel038 et on se trouve pour une nouvelle vidéo sur YouTubers Life. Donc avec le jeu que j'ai remis en anglais hein, finalement, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bugs sur le premier épisode par rapport au texte, etc. Donc on a vu aussi qu'il fallait que je, donc à la fin du premier épisode, que je fasse une vidéo de gameplay sur un jeu qui est Lord Battle for Upper Earth. Donc on a compris ce que c'était, hein, c'est le Seigneur des Anneaux, bataille pour la Terre du Milieu. Donc bon, bon pour l'instant on a toujours le même matos. Et donc, eh bien on va faire sa vidéo de gameplay. Il y a un jeu qui vient de sortir, Broken World. Donc là on a Game Tutorial, donc on va faire un commentaire chantant. Voilà, là ça marche. Là on est donc dans du jeu normal et j'ai plus assez de points d'énergie, j'en avais que 4, j'aurais dû regarder avant, tant pis pour moi. Donc on n'aura qu'une pièce à mettre dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut mettre ça et ça. Voilà. Et c'est parti pour le montage. Donc on a une vidéo de qualité quand même, hein, puisqu'on a fait un nouveau record, c'est magnifique. On est monté en niveau en performance, en son et surtout en post-production. On a fait un grand pas en avant. C'est incroyable, même aussi incroyable que cela puisse paraître. Et pendant que ça fait ça, on va aller étudier. Parce que sinon, on va encore prendre une rouste. Et on a vu qu'on avait des tâches qui avaient été accomplies. Et on n'a pas récupéré l'XP qui était. Donc là, pendant comme ça, pendant que. On est en cours. On a notre vidéo qui a été faite. La copine, elle est là, elle vient voir. Merci d'avoir uploadé la vidéo. Je dirais à mes amis à quel point tu as été bon. Donc, félicitations, vous avez atteint le niveau 2. Quand vous avez un nouveau niveau, vous débloquez de nouvelles choses, hein, des compétences pour les clips vidéo, pour les montages. Et des objets dans le magasin. Après, sur expérience, la barre d'expérience pour savoir qu'est-ce que vous avez débloqué. Alors, on va regarder. Donc là, elle est contente. Elle nous a donné 100 $ pour avoir fait. Ah non, elle nous dit qu'il y a une convention qui va avoir lieu et que c'est l'occasion de rencontrer d'autres youtubeurs et que si on veut y aller, ça nous coûte 100 $. Et elle nous dit bah, essaye d'avoir l'argent pour acheter ta place et on ira ensemble. Donc ça peut être sympa. Voilà. Donc pour l'instant on va peut-être pas y aller hein, parce que on vient juste de commencer. Et donc on voit là ce qui nous est tout à l'heure. Si on clique sur notre barre d'expérience, on voit ce qu'on a débloqué. Donc on a débloqué cette compétence Marketing Friends. Donc c'est-à-dire qu'on peut arroser le monde avec inonder le monde et nos amis en promouvant nos vidéos. Ok. On a débloqué 4 nouvelles cartes. On a débloqué plus d'énergie pour faire le montage de nos vidéos. Le magasin de fringues. D'autres composants chez PC World. Et le magasin IKEA. Oh pardon, IDEA. Et voilà. Alors, donc on a un objectif, hein, le but c'est d'aller à la convention, mais on n'ira pas cette fois-ci. Et on a besoin de manger un coup, donc on va aller manger. On va aller manger, on va aller dormir. Et puis on va se refaire une petite vidéo sur un de nos jeux. On peut mettre aussi en queue. Les actions pour que soit pas obligé d'attendre que l'action se termine pour faire la suivante. On voit que notre chaîne elle va bien puisqu'on a commencé à atteindre bientôt les 2000 abonnés, on a 5600 vues. Ah, choisissons un jeu. Donc on a lui qui est toujours bien. Bon lui c'est même pas la peine. A League of Giants qui est toujours très bien noté, qui a toujours le vent en poupe, donc on va continuer. On va refaire une petite vidéo de gameplay. Toujours avec notre matos un peu pourri, mais voilà, c'est pas grave, hein, tant pis. Allez, c'est parti.
Alors effectivement, c'est assez répétitif hein, comme jeu, mais bon. Quand on est youtubeur, hein, c'est un petit peu aussi tout un peu la même chose quand on fait des vidéos pour enrichir la chaîne. Donc on enregistre. On commence notre vidéo, donc bon, on dit bonjour hein, tout simplement. Donc on est en plein jeu. On va faire un look, voilà. Un air meurtrier. On a une fenêtre de chargement avec des publicités. Donc on peut faire un topic comment, donc c'est-à-dire faire un commentaire hors sujet pendant qu'il y a le chargement. Ça passe bien aussi. Donc comment on peut faire matcher nos trucs? Ça va être compliqué. Bon, celle-là, de toute façon, elle doit aller devant. Et de toute façon, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, il y en aura toujours qu'une qui va matcher. Donc bon, quoi qu'il en soit. Alors là, on va forcément faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on a pris du niveau dans le script, la performance, le montage vidéo et le son. Et ben, on va publier notre vidéo. Donc très bien. Vous avez gagné un point de talent. À chaque fois que vous prenez un niveau, vous avez un point de talent que vous pouvez investir et améliorer votre qualité de vidéo et découvrir d'autres types de vidéos qu'on pourrait faire dans les montages. Donc allez-y et mettez en place vos points de talent. Donc là ici on peut mettre ici. Alors do you want to chat? Non, parce que de toute façon je pourrais même pas te dire oui. Pas que j'ai pas envie, mais c'est parce que ma machine, du fait qu'elle soit en train de faire un montage, ça ne marche pas. Donc là c'est quoi? Casual platforming, racing, sports, sandbox, puzzle, social game. Alors si on fait un jeu de plateforme, du jeu de course, du sport, des jeux sandbox, des puzzles ou social game, on prend 10% de plus de likes. Et là, c'est lorsque vous enregistrez. Alors là, en fait, ouais, c'est pouvoir débloquer la compétence First Impression, c'est-à-dire faire une vidéo. Dès que le jeu sort, hein, on achète le jeu direct et on fait notre vidéo des premières impressions sur le jeu. C'est un peu comme quand on a des youtubeurs qui, à peine le jeu sorti, ou même s'il n'est pas encore sorti d'ailleurs, font déjà des vidéos dessus pour donner leurs premières impressions. Je trouve ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'attirer pas mal les abonnés et puis de les faire venir regarder un petit peu ce qu'on fait. Et par curiosité, comme ils cherchent des infos sur le nouveau jeu qui vient de sortir, ils vont aller regarder le reste de la chaîne et du coup rester, s'abonner, etc. Donc voilà. Alors au niveau des alertes, qu'est-ce qu'on avait eu? On est le 19 janvier et le 16, il y avait un jeu qui était sorti. Le temps attendu. Broken World est sorti sur. Bon, on va peut-être l'acheter, puis on fera un petit. On a peut-être un peu de retard. Ah ouais, c'est vrai que notre ordinateur est en train de bosser, il est en train de faire la rendue. Du coup, on peut pas. On peut pas faire autre chose hein, pour l'instant. Donc, on a encore des choses de débloquer. Alors, on va l'étudier pendant ce temps-là. Allez, c'est parti. Curie 13h. Voilà, on rentre, c'est 18h, impeccable. On va aller manger. Il est 21h, et les heures passent vite, hein. À League of Giants, il y a eu quand même un commentaire négatif. Les vidéos sont très intéressantes, bien jouées. Je ne peux pas croire que vous vous êtes autoproclamé youtubeur. Vous êtes mauvais au montage. Allez apprendre les bases pour vous-même et pour vos viewers. La League of Legends est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. Le jeu est tellement trending. Ouais, je pense que c'est trending, mais c'est pas grave. J'adore les vidéos de gameplay de League of Legends, très intéressant. J'attendais votre première vidéo de haut le PC.
Bon, on a notre mère dans la chambre. Bon, je reviens de cours, elle va pas m'engueuler encore. Je vais dormir. Voilà, j'ai dormi. Si elle va me passer un savon, oui. Ça ne fera pas. Si vous n'allez pas étudier, vous allez avoir une. Bon, vous n'êtes pas allé assez en cours, vous êtes nul. Qu'est-ce que ça dit au niveau du. Bon, on n'est pas si mal. C'est dingue. Et donc, on voit au niveau. On a aussi ça, hein, le Gamecom là. On va faire une nouvelle vidéo. Donc, on a 2500 abonnés, hein, 10 000 vues. C'est plutôt pas mal. Donc on voit, on peut faire une first impression. Et si... Ah, je viens de penser à un truc là. Et si j'allais acheter... Alors attends, il y a quoi comme jeu qui vient de sortir? Ouais, c'est toujours le 16 qui est sorti et c'est le 21. Hein, ça fait quand même un petit moment. Hein. On va attendre le prochain jeu qui sort. Et à ce moment, on fera une vidéo. Donc on va faire une vidéo là-dessus, on va faire un gameplay. Hop, c'est parti. Pour l'instant, on n'améliore rien dans notre PC parce que de toute façon, on n'a pas les sous. Donc, c'est pas la peine de s'exciter. Et on va. Alors, loading game. Bon, on va dire bonjour, hein, commencer la vidéo tranquillou. Alors, vous avez débloqué un achievement. Donc, on va faire un. Allez, on est content. Donc, on va chanter un petit coup. Et ensuite, un You Overcame an Easy Challenge. Donc en fait, on a accompli un challenge facile. On va faire un commentaire rigolo. Dommage. Alors, bah, ça devrait pas mal coller tout ça. Bon, à part la première. Et sinon, là, voilà, ça match. Impeccable. Donc on a. Hop là, donc on est parti. Le montage. Donc on a fait un nouveau record dans le content, vidéo quality editing, donc c'est plutôt bien. On a pris un niveau en performance, en vidéo editing, en sound, en post-production. Et on va publier notre vidéo et on va aller en cours. On est passé à 3000 abonnés, donc ouais, petit à petit ça avance. Hein. Et je n'ai pas fini la vidéo, d'ailleurs, on n'a pas fini. Je me rappelle quand je suis arrivé dans ma nouvelle chambre, j'ai décidé de la customiser. Donc là, c'est encore un petit coup de tutoriel où il va nous demander d'aller sur le PC et puis d'aller dans le shop. Sauf que normalement, je ne devrais pas pouvoir, si, du coup je peux. Et aller dans le magasin de décoration pour acheter un truc pour customiser notre chambre. Voilà, on va prendre une petite lampe. Et puis voilà, ça sera joli, c'est très bien. Donc notre vidéo va bientôt être uploadée, on a un commentaire négatif, c'est qu'est-ce qui c'est Battle for 1, gameplay vidéo général beaucoup d'intérêt maintenant. J'attendais votre première vidéo sur PC, cool. Haha, cette personne est un youtubeur, moi je suis Batman. Et l'édition, enfin montage pourri. J'adore regarder des vidéos de gameplay sur l'Ort. Très intéressant. Voilà, j'ai reçu ma déco. On va se mettre en place sur la petite table de chevet. Voilà, super, nickel. Et donc, là, on n'a pas de nouveau jeu qui est sorti encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a débuté ? On a passé encore un niveau. Ok, on a aussi des nouvelles cartes. Professional comment. Et serious grading, voilà. Ok. Notre état de santé, bon, on va aller. Ah, j'irai pas ce qu'étudier. On rentre, on mange. On dort un coup. Des fois, il y a un nouveau jeu qui va sortir entre temps. Alors, ATV versus MX. Très drôle. Mais sur PSP, donc ça sert à rien.
Une nouvelle carte. Simple comme bonjour. Elle va dormir. Ça dit quoi notre niveau d'examen? Oh, on est presque encore un grade au-dessus. Voilà, repose-toi bien. Sois en forme. Aujourd'hui, on va tourner des vidéos. On a bientôt 4000 abonnés. Salut Angel, je voudrais faire une vidéo de moi jouant à un jeu, mais je ne sais pas comment enregistrer ou éditer ou monter. Est-ce que tu pourrais le faire et l'uploader? Bah ouais, vas-y, envoie. Hein. Donc ça me permettra de gagner de l'XP et du pognon. Donc bah vas-y. Ok, je te l'envoie. Donc elle m'envoie sa vidéo, son jeu, et il faudra que je fasse une vidéo de gameplay. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ah, pathétique karaté. Donc c'est un gameplay, du coup je peux pas faire ce que je veux. Allez, on est parti. Alors, vous enregistrez... Allez. Commencez l'enregistrement, on fait un bienvenue sérieux. Votre base a été détruite pendant une attaque ennemie. Pas très content. Ah bon, d'accord. Epic Game. Ah, je suis content. Vous avez trouvé un easter egg. Chanter. Alors là, le petit bruit que vous entendez, c'est pas mon PC qui bug, hein. C'est juste que votre ordinateur dans le jeu s'use et donc ben, il commence à déconner. Hein, et donc il va falloir que j'appelle le réparateur. Alors on va tout mettre bout à bout. Comment ça se passe? Oh, c'est moche. Bon, ça faut que je le mette en premier. Mettre ça comme ça et ça comme ça. Il y en a un à chaque fois qui passe. Donc on a 8 points de rendu, on peut mettre voilà et c'est tout. Et voilà, on va publier cette vidéo, on va appeler le réparateur hein, pour 20$, hein, 20$ de réparateur, donc le gars il va venir, il va nous réparer notre ordi. Et ça c'est pareil, hein, quand on aura un ordinateur de meilleure qualité, et ben on aura moins de problèmes de panne. Carla qui va dans le chat ensemble, ce problème c'est que ma machine n'est pas dispo. Si je clique sur OK, elle va me dire non. Oh ça y est, ma mère encore qui me dit que je suis pas encore allé étudier. Et là il me dit que mon ordinateur est pas dispo. Pour faire du chat. Alors, oups, on dirait que mon ordinateur a quelques problèmes. Je dois checker son statut. Et je vais le réparer, là, tu déconnes, sans déconner. Donc là, on voit qu'il est en pleine santé. C'est juste que je suis allé plus vite que le tuto. Donc c'est un peu relou, mais... Ouais, mais je l'ai déjà fait. Ah, très drôle. Putain. Bon. Du coup, j'ai cassé le tutoriel. Ah. Très drôle. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Et ça rigole, et ça rigole. Donc, c'est juste pour me dire que j'avais fait sa vidéo, il doit être content. Ouais, mais je ne peux pas aussi, tiens, je peux le réparer si tu veux. Et du coup, ça me fait venir deux fois le machin en deux secondes, ça me fait dépenser deux fois plus de pognon, super. Voilà, nickel. Non, mais ça, c'est le problème des jeux qui sont encore en bêta. Hein. Enfin, en bêta. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, j'ai accompli mon truc du tutoriel. Voilà, ça a été réparé.
Je devrais regarder si je peux acheter des nouveaux composants. Ben non, je viens de dépenser plein de pognon. Très drôle. Dans ce magasin, vous pouvez trouver tout un tas de pièces et d'accessoires pour améliorer la performance de votre ordinateur. Chaque composant apporte un nombre de points de rendu. Vous pouvez aussi améliorer votre niveau d'édition ou votre logiciel de montage pour avoir plus d'effets disponibles. Quoi de neuf, Angel? Nous allons faire une fête ce soir. Je suis sûr que tu as besoin de t'amuser. Viens et t'amuser avec nous. Viens t'éclater avec nous. Non, pas ce soir. Super, écoute, merci Angel, t'as fait la vidéo, c'est super cool, merci, ciao, allez. Donc j'ai gagné du blé. Voilà, on a deux nouvelles cartes. On va essayer d'améliorer, on a 176, on a de quoi acheter un petit peu du matos. Qu'est-ce que je pourrais... Donc là j'ai la White Case USB 2. À 250 la tour qui va bien. On a le clavier qui va bien aussi. On pourrait changer d'écran. Parce que pour l'instant, j'ai quoi comme écran? Ou acheter un 21 pouces Full HD monitor. Ça peut être pas mal. Ouais, pour l'instant, j'ai un 15 pouces. T'imagines le délire? Là, ça apporte 6 points de montage hein, quand même, l'écran. Hein. Ouais, je dis, on a les sous, il y a moyen. Hein. Allez. On est des dingues, on dépense. On dépense. A du blé. Où est-ce qu'il est parti lui? Ah non, il est parti faire son examen. B moins. Bon, c'est passé, mais c'est passé. C'est passé B moins. Hein. Du coup, bon, notre maman elle va être contente. Elle va nous donner un peu d'argent de poche. Oh, c'est cool. Un B moins, c'est pas trop mal, mais je suis sûr que tu peux faire mieux la prochaine fois. Donc pour t'encourager, voici 25$. Donc bah, je pense que plus on a une meilleure note et plus ça nous donne du blé en argent de poche. Voilà donc cet épisode de qui prend fin sur ce test hein, donc qui a eu lieu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc on va alterner un petit peu les épisodes. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. On va alterner un petit peu les épisodes entre SimCity parce que je sais qu'il y en a certains pour qui SimCity ça vous a plu, donc je vais refaire quelques épisodes parce que j'en avais plus en stock et puis on va alterner un petit peu YouTubers Life, un petit peu SimCity, voilà, comme ça il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, salut à tous, ciao ciao.